Vous désirez créer une image enrichie Oui, oui, ces fameuses images où on peut cliquer sur les objets et avoir une réactivité. Mais on va le faire de A à Z avec Google Slides. En effet, il y a plusieurs outils pour réaliser des images enrichies, mais vous en avez un, Google Slides, qui fonctionne très bien. Le processus de création prend moins de deux minutes. Nous, on va prendre un petit peu plus de temps pour voir toutes les possibilités, tout ce qui est possible de faire avec cet outil. Donc, allons-y, ne perdons pas plus de temps. J'ai ouvert une page Google, je suis branché avec mon compte scolaire, j'ouvre Google Slides. Il est possible que dans votre centre de service, vous ayez déjà des modèles. Donc, alors, tant mieux pour vous. Si vous n'en avez pas, on va partir de zéro, comme dans la démonstration que l'on va faire maintenant. Donc, je démarre une nouvelle diapositive, donc une nouvelle présentation. J'enlève ces deux blocs-là que je n'aurai pas besoin. Là, on veut faire une image enrichie, donc on doit avoir une image, une image en arrière-plan, en contexte. Donc, je choisis contexte, sélectionner une image. Si je l'ai déjà Télécharger ou créer et qu'elle est dans mon Google Drive, je vais aller la chercher dans mon Google Disk. Sinon, je peux aller sur Google Images et rechercher une image libre de droit. C'est important. Donc, allons-y pour New York City. Et voilà, New York City. Donc, choisissons une photographie de New York City. Bon, comme ceci. Assurez-vous qu'elle est libre de droit. D'accord? Donc, ce n'était pas une bonne image à sélectionner. Donc, on va en sélectionner une autre. Allons-y pour celle-ci. Et voilà. Donc, j'ai mon image de fond d'écran. Si ma présentation, mon image enrichie n'a qu'une seule planche, comme on voit ici en ce moment, vous n'avez pas besoin de créer un cadre transparent. Si vous désirez avoir plusieurs planches, là, il y aura le truc du cadre transparent à faire par la suite. Donc, je vais lui donner un titre. New York. D'accord. Et maintenant, je vais ajouter... Mes éléments cliquables. Donc, ce que je veux, qui va pouvoir indiquer en gros aux gens qui vont consulter mon document où ils peuvent cliquer. Donc, euh, j'en ai quand même quelques-uns de préparer des pictos. Vous avez accès possiblement à une médiathèque où vous pouvez avoir des millions de. Picto comme ceux-ci. Par exemple, si je désirais avoir un lien euh, vers une page web qui explique la statue de la liberté, euh, je pourrais amener le picto ici. Et les gens en cliquant sur ce lien vont avoir accès à la page Wikipédia de la statue de la liberté. Euh, par exemple, allons-y pour Wikipédia, pourquoi pas. Wikipédia français. Écrit statut de. Oups, attendez, j'ai. Bon, et voilà. J'ai mon article sur la statut de la liberté. Je prends mon lien. Je le copie. Je reviens à ma présentation. Je clique sur l'objet. Et on peut insérer un lien ici. Attendez, je vais fermer ça. En cliquant sur Insérer un lien. Et je vais faire un coller. Donc, c'est un copier-coller du site web de la Statue de la Liberté. Et voilà, c'est fait. Je pourrais aussi, si je ne désire pas ajouter un pictogramme comme celui-ci, je pourrais ajouter une forme, dans ce cas-ci, rectangulaire. Hein, je vais couvrir la Statue de la Liberté en entier. Je pourrais faire ça. D'accord? On pourrait même faire les deux. Et là, je vais m'assurer que la forme son bord est transparent et que le remplissage est transparent. Donc j'ai maintenant un cadre invisible par-dessus la statue de la liberté et en sélectionnant le cadre, je pourrais choisir Insérer un lien et copier le lien. Donc je le colle. Donc maintenant, lorsqu'on va être en mode diaporama, si on amène le curseur par-dessus la statue de la liberté, je vais avoir la fameuse main disant que c'est cliquable. Ou je pourrais venir ici pour indiquer qu'il y a un lien cliquable. Allons-y. Et voilà. Je reviens à ma présentation et je pourrais mettre un autre objet cliquable si je le désire. Donc, ou ajouter potentiellement un fichier audio. Donc, j'utilise un Chromebook. J'ai enregistré ma voix avec une application telle Chrome MP3 ou encore Vocaro ou l'outil de la digitale, DigiRecord. C'est enregistré dans mon Google Drive. Si je désire ajouter une description auditive, à ce moment-là, je pourrais faire insertion, audio. Et si je viens dans récent, je pourrais choisir ici, ce fichier que je viens d'enregistrer dans mon Google Drive. Et voilà. Et je pourrais placer. Donc, écoutons. Êtes-vous en mesure d'identifier le Chrysler Building? Donc, ça pourrait être ma question qui est ici. Et on pourrait même en insérer un autre. Donc, audio. Voilà. J'ai un autre enregistrement audio. Êtes-vous en mesure d'identifier le Chrysler Building? C'est le même, mon erreur, regardez bien. Donc, allons-y, insertion, audio, et voilà. Et j'ai ici un autre enregistrement maintenant. Ce gratte-ciel est l'Empire State Building. Ah, peut-on voir d'ici l'Empire State Building? Et je ne crois pas. Ah, Peut-être si on fait un zoom. Ah, je ne crois pas. Mais c'est pas grave. On pourrait placer nos objets au bon endroit ou les mettre un peu à l'écart, en retrait. Et les gens vont pouvoir cliquer ici pour écouter. On pourrait cliquer ici pour aller visiter sur le web. On pourrait ajouter une vidéo YouTube. Donc, je me trouve un picto pour dire comme quoi qu'il y aura une vidéo si on clique ici. Par exemple, ici. Je mettrai un lien vers une vidéo YouTube. Et on peut faire à peu près ce que l'on veut. Un texte, une bulle, un enregistrement audio, un questionnement, ajouter une photographie. Donc, on pourrait, ça pourrait amener un lien qui mène à Google Images, une photographie qui est sur le web, oui. Et le tour est joué, c'est terminé. Vous avez réalisé votre image enrichie. Si par contre vous désirez rendre le tout plus compliqué, restez avec nous. Deuxième partie. Maintenant, pour ajouter d'autres planches, par exemple, si je désirais qu'en cliquant sur le pont ici, on ait accès à une espèce de bulle ou de l'information supplémentaire sans que ça mène sur le web, on peut le faire. Regardez bien, j'ajoute. Une autre planche que je vais pouvoir habiller comme je veux. Donc, on pourrait lui mettre une forme. Comme celle-ci. Et à l'intérieur, voici l'information sur le pont. D'accord. On va justifier ça vers le haut. Et là, on pourrait ajouter des images ici dans la bulle. Et. Ce que je vais faire au bas, je vais même m'ajouter un bouton. Et je vais l'intituler Retour vers l'image. Voilà. Donc, retour vers l'image. Sur ma forme, hein, je sélectionne ma forme. Je vais faire Lien. Je vais faire un lien à la diapositive 1. Donc, quand je vais cliquer ici, je vais retourner à la diapositive 1. Donc, ici, j'aurai mes images, vidéos, ainsi de suite, qui ne concernent que le pont. Mais maintenant, et regardez bien le petit truc, si je retourne en diaporama, que je clique ici, ça va très bien fonctionner. Je clique ici, ça fonctionne bien, fonctionne bien, ainsi de suite. Mais si je clique dans le vide, regardez ce que ça va faire. Et je m'en vais à ma page du pont. Ce n'est pas ce que je veux. Donc, que devrais-je faire pour éviter la situation? Vous allez devoir ajouter un cadre transparent par-dessus l'image en entier. Donc, allons-y. Et on va dire au cadre transparent de ne rien faire ou du moins de rester sur la page si on clique là. Donc, je fais forme, rectangle. Je crée un cadre. D'accord? que je vais agrandir à la grandeur de la diapositive. Maintenant, je vais prendre ce cadre-là, m'assurer qu'il est sous les objets que je désire qui soient cliquables. Donc, je clique avec mon bouton de droite. Dans Ordre, je vais choisir Mettre à l'arrière-plan. Et maintenant, je vais rendre le cadre invisible. Donc, bordure transparente remplissage transparent. Dernière étape. À ce cadre, je vais choisir d'insérer un lien. Il est, il est ici, malheureusement, dans le bas de l'écran. Attendez, on va s'assurer de pouvoir mieux voir. Donc, Et voilà. Et je vais indiquer à Slides que lorsque l'on clique sur une partie couverte par ce cadre, je désire demeurer à la diapositive 1. Donc, en gros, je viens de créer un cadre transparent pour dire, si tu cliques, on va réafficher la même diapositive. Regardez, il n'y a plus rien qui bouge. Mais si je clique ici, je m'en vais quand même à la Statue de la Liberté. Dernière étape. Je vais ajouter un rectangle sur le pont. D'accord? Donc, si je fais un cadre transparent, je sélectionne le pont. Là, vous pouvez voir qu'il n'est pas transparent, alors je fais disparaître la bordure, le remplissage. Mon cadre ici est sélectionné. Insérer un lien. Et je vais choisir la diapositive 2 comme destination. Donc, on va essayer ça. Si je viens cliquer sur le pont, je m'en vais à l'information du pont, je retourne vers l'image. Si je clique dans le vide, rien ne bouge. Je peux écouter. Ce gratte-ciel est l'Empire State. Je peux aller visiter. J'ai réalisé une image enrichie, complexe. Donc, le truc, c'est que si vous êtes pour avoir plus qu'une planche, on ajoute un cadre transparent en arrière-plan si on désire que désactiver la possibilité de cliquer dans le vide, en gros. Donc, vous avez réussi à faire, ou on vient de faire, une image enrichie complexe. On peut avoir une seule planche, on mène vers des liens externes, des enregistrements audio, des vidéos YouTube, ou on peut en faire. Un ou une, une présentation très complexe. On peut même faire une espèce de livre dont vous êtes le héros de cette façon-là. Il y a bien des choses que l'on peut faire. Donc j'espère que ça vous a aidé. Si c'était trop rapide, retournez à l'arrière, faites pause. Au revoir.